Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette petite application Panini. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est sûr, je suis à 100%, mais bon, il reste quand même des petits défis, donc un petit défi. Et j'aurai l'occasion de faire, bien sûr, d'autres vidéos sur les collections Panini avec les jeux de cartes et les stickers, l'album, la Coupe du Monde approche. Donc voilà, pas rester seulement sur l'application mobile et le virtuel, faire un petit peu de réel, ce sera intéressant. Mais bon, voilà, gros défi sur le 10 avec pas mal de joueurs à collectionner. Vous savez, j'ai déjà les 100%, mais je peux encore faire des échanges. Donc si certains dans le groupe veulent certains joueurs, n'hésitez pas à me faire des demandes en commentaire. Donc, je vais faire participer au défi, mais bien sûr, 24 stickers parmi tout cela. Je vais les trouver, hein, vu que j'ai la complétude. Donc, voilà, j'ai engagé le défi, on va voir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de rester assez sur cette application pour le Trophy Tour, hein, qui devrait débuter dans pas longtemps, je pense, parce que regardez, Trophy Tour, restez connecté pour la tournée du trophée à partir de mai 2018, on est en plein dedans, on arrive même vers la fin mai, donc je me demande à quel moment ça va débuter ce petit truc, donc je ne sais pas, on verra. Donc alors on était où? C'est des joueurs hein, qu'il faut sélectionner. Ce qu'il y en a là, tu vois, il y en a quelques-uns déjà sélectionnés. C'est tous les milieux défensifs. On va peut-être prendre des milieux défensifs français hein, pour ce. Même si tous ne seront pas là, bien sûr. Bon, Matuidi, Ngo et Paul Pogba sont bien concernés par la Coupe du Monde, Lloris, Varane, Lucadigne, échec hein, pour lui. Pas de présence. Sidibé, je crois qu'il est là. Umtiti aussi. Giroud, Griezmann, Mbappé, tout le reste, ça va. C'est vrai que Lucadigne n'est pas présent. Alors, on va prendre une autre grosse sélection. L'Argentine au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de joueurs au milieu de terrain, du coup. Côté argentin. On va pouvoir valider. Quoi d'autre? Do Brasil, bien sûr. Au milieu de terrain, on a 4 joueurs. Il faudra que je voie avec les listes. Hein, je compare un petit peu les listes. Parce que la liste de Deschamps, les 23, bon, elle est connue côté français. Mais du côté des autres équipes, on n'a pas tout. Hein, notamment côté suisse, je crois qu'on n'a même pas de liste pour le moment, de pré-liste, même à 30 joueurs, on n'a rien. Les Belges, c'est connu. Pas de Raja Nengolan. D'ailleurs, tiens, on va faire les Belges pour la Belgique. Avec quelques milieux de terrain. Et je ne sais pas s'il était. Tu vois, il était même pas sélectionné, Raja Nengolan. Donc, même pas présent dans l'effectif Panini de la Belgique. Donc, voilà. Je pense qu'on a pas mal fini. On va peut-être la faire la Suisse aussi. Quelques abonnés suisses, bien sûr. Alors, la Suisse, dont on ne connaît pas, bien évidemment, la liste en. Ah, il y a 5 joueurs. Est-ce que j'ai terminé? Je pense pas encore. Il me fera encore une équipe, je pense. Qui c'est qu'on pourrait faire? On sait qu'il n'y a pas Zlatan, bien sûr. Ça, c'est sûr. Côté suédois, on a fait Argentine, Brésil, Portugal, peut-être. Bon, Cristiano n'est pas considéré comme milieu de terrain, mais comme attaquant. Beaucoup de milieu de terrain. Bon, voilà, on a fini le défi. Ok. C'est terminé. Donc là, ça vous fait. Moi, bien sûr, hein, je suis à 102. Je peux vous montrer comment on fait des échanges, même encore à 100. Que ce soit avec. Bon, on va ouvrir les 3 paquets, mais bon. Kyle, Leroy Sané, je ne sais pas s'il est dans l'effectif des Allemands. Donc, de toute façon, c'est que des doubles. On va aller très vite pour les ouvertures. À moins que j'ai du Cristiano pour fêter ça et faire une danse spéciale, mais Falcao, c'est pas mal quand même. En double. J'essaie d'avoir que des joueurs Brésil, Argentine, France. Mais j'ai beaucoup de Français, vous allez le voir. Avec les échanges. Timo Werner, qui sera modélisé dans FIFA, il semblerait. Hein. Nouvelle modélisation, ça fait plaisir pour cet Allemand. Donc voilà, j'ai tout. Ensuite, on engage bien sûr sur un cliquer déposé dans la zone de double. Voilà. Mais bon, j'attends vraiment. Je pense que je reviendrai pour les défis, quelques défis, puisque bon, il y en a eu avant, j'ai pas fait de vidéo. Là, je voulais le faire pour marquer le coup et puis pas oublier cette application. Donc voilà, 117, aire d'échange. Voilà, j'en pile complète échange France-Brésil-Allemagne. Du coup, j'avais mis France-Brésil-Allemagne autoriser les doubles. Donc, vous pouvez le faire aussi ici, autoriser les doubles. Vous mettez votre équipe, enfin les joueurs tiens, que j'ai envie d'échanger, notamment qui sont individuels là que je viens d'avoir. Voilà. Avec 2 Australiens. J'ai 64 Français, t'as vu? J'ai tellement de doubles en France. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez des Français, j'en ai pas mal.
Voilà, ça fait tout. Je vais mettre une équipe. Voilà, hop. J'ai mis quoi? L'Argentine? Non, peut-être les autres trucs que je voulais échanger. Costa Rica. Voici l'Argentine, peut-être. Peut-être mettre plus des joueurs allemands. Corée du Sud, voilà. Autoriser les doubles. Donc je veux des Français. Des Allemands, tiens. Et des Brésiliens. Mais ouais. Vu que ça doit être géolocalisé, je pense, l'application Panini, parce que si on regarde, ajouter une équipe, 64 Français, 36 Brésiliens, pourtant j'essaie d'échanger avec les trois équipes, je faisais avec l'Argentine aussi, et beaucoup plus de Français, à chaque fois ça échange, donc voilà, pas de l'Allemagne, mais Corée du Sud, c'est bien, hop là, donc voilà, restez attentifs mes amis, pour bien évidemment attendre et avoir le Trophy Tour là, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas si la FIFA ou Panini a oublié ça, mais on est quand même au mois de mai, donc il s'agirait d'avoir l'activation de ces trucs-là. Puis il n'y a pas de produit Coca-Cola encore à scanner, j'ai pas trop vu dans le commerce, donc voilà, petite vidéo, puis on enchaînera sur du vrai Panini. Tchuss, tchuss!